Le Havre, 6e, reçoit le leader lorientais. Il y a encore quelques semaines, cela aurait été davantage un choc de haut de tableau, dans le sens où le HAC occupait la première place. Mais la série de 2 nuls et 2 défaites relègue désormais les Normands à 7 unités des Merlus. Les hommes de Christophe Pélissier ont, eux, pris 10 points sur les 12 derniers possibles. Et c'est avec une certaine confiance qu'ils se déplacent au stade Océane. Et cela va se vérifier dès la première minute de jeu. Le centre de Vincent Le Goff est coupé par Umut Bozok. Le Turc, l'ancien Nîmois, marque son tout premier but sous les couleurs lorientaises. Très bon timing, très bon déplacement de Vincent Le Goff. Le centre est ajusté. Umut Bozok devance la sortie du gardien Havrais pour ouvrir le score. Et Havrais complètement à la peine. Erreur défensive qui va être immédiatement exploitée par Pierre-Yves Hamel, qui va tromper Mathieu Gorgelin. 2-0 pour Lorient. L'erreur de Camara et le sens du but de Pierre-Yves Hamel. 18 réalisations la saison dernière. Il permet aux Lorientais de faire le break, mais dans les arrêts de jeu de cette première période, monsieur Léonard va désigner le point de pénalty pour cette faute sur Tino Kadewere. C'est lui qui va se faire justice en transformant le pénalty bien placé hors de portée de Paul Nardi. Ça fait 2-1 pour Lorient. Le Havre revient dans la partie. 11e but pour le Zimbabwéen. 11e but en 11 matchs. 2-1 pour Lorient. Ce sera donc le score à la pause. Les Merlus ont enchaîné 3 rendez-vous très importants face à des concurrents. Il y a eu le nul avant la trêve, 0-0 face à la CA. Ce soir contre le Havre, et la prochaine rencontre, ce sera à 3. C'est en cela que les hommes de Christophe Pélissier aimeraient remporter les 3 points et conserver leur avantage. Accélération de Wissa sur le côté, le long de la ligne, tout proche d'encaisser un 3e but. Mathieu Gorgelin, Ivan Wissa, et ses 7 buts. Le meilleur réalisateur lorientais depuis le début de la saison temporise et ensuite accélère pour prendre le meilleur sur son vis-à-vis. Ballon longe la ligne et touche le montant de Mathieu Gorgelin. Attention pour les Merlus de ne pas le regretter, car comme souvent lorsqu'on n'arrive pas à se mettre à l'abri, on reste à la merci d'une éventuelle égalisation. Et ce sera le cas à la 83e minute. Le centre de l'international turc Meras pour Jamal Tiare. Ça fait 2 buts partout grâce à la 3e réalisation du Sénégalais. Paul Nardi touche le ballon mais ne peut l'empêcher de finir au fond des filets. Lorient, qui menait 2-0, se fait donc rejoindre au score. Et la toute dernière opportunité, elle sera pour les hommes de Paul Le Guen, avec ce coup franc deuxième poteau qui ne sera pas repris convenablement. 2-2, score final. Lorient tenait un précieux succès mais n'a pas pu se mettre à l'abri. Les Merlus sont leaders avec 4 points d'avance sur Lens, qui recevra Auxerre en clôture de cette 11e journée. Le HAC a eu le mérite de revenir au score mais boucle un 5e match en victoire.